Amen. Amen. Today I want to ask an important question. Ce soir, je vais vous poser une question importante. It is probably one of the most important questions you can ask yourself as a human being. C'est peut-être l'une des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser à vous-même en tant qu'être humain. I am praying that every single person in this room will ask yourself this question. Ma prière est que chacun de nous va prendre le temps de se poser cette question. It is God's intention that you ask yourself this question. C'est ce que Dieu voudrait que vous puissiez faire, vous poser cette question. I believe the answer to this question, je crois que la réponse à cette question is extremely important, est d'une grande importance, to the future of this church, dans l'avenir de cette église, to the future of this city, dans l'avenir de cette ville, and to the future of this nation, et dans l'avenir de ce pays. And this is a question, et c'est ça la question. What problem were you created to solve? Quel problème êtes-vous créé pour résoudre? I want you to ask your neighbor that question. Posez cette question à votre voisin. Just look at them right now and ask them, what problem were you created to solve? Regardez votre voisin et posez-lui la question. Quel problème êtes-vous créé pour résoudre? Do they look like they know? Est-ce qu'ils vous donnent l'impression des gens qui connaissent, qui ont la réponse? My prayer is that we will get to know the problem we were created to solve. Ma prière est que nous arrivons à ce point où nous allons connaître le problème pour lequel nous avons été créés. And as I get along, I believe God has a revelation for everybody in this room. Je le crois que Dieu a une révélation pour chacun de nous dans cette salle. That has to do with the answer to that question. Et cette révélation va nous amener à comprendre cette question, bien répondre à cette question. I've been blessed by God. J'ai été béni par Dieu. To preach in many places in the world. De prêcher dans différents endroits au monde. To preach in almost every continent in the world. J'ai prêché dans tous les continents sur la terre. But you know, one of the things I'm convinced in. Mais une des choses qui me tient vraiment à cœur, is that Africa is the most beautiful continent in the whole world. C'est que l'Afrique, c'est le continent le plus beau au monde. Africa is the richest continent in the world. L'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. And whenever I go around, I'm shocked at how beautiful this continent is. Et partout où je vais, alors que j'ai fait le tour de l'Afrique, je suis surpris de voir la beauté de l'Afrique. For example, I've been to Zambia. Je suis allé en Zambie. Anybody here been to Zambia? Quelqu'un a déjà visité Zambie? Praise God for you. Gloire au Seigneur pour vous. You know, Zambia is a beautiful country. Zambie, c'est un des pays les plus beaux. It is a wealthy country. Un pays très riche. It is full of minerals. Un pays riche en like minéraux. Like gold. Ils ont de l'or. And copper. Ils ont des cobalt. It has a lot of fertile land. Ils ont des terres fertiles. And Zambia has a lot of water. Et la Zambie a beaucoup d'eau. Rich water. Ils ont des riches eaux. The Victoria Falls are one of the most beautiful waterfalls in the world. Nous avons des chutes qui représentent la beauté les plus en Afrique et au monde. It has the largest man-made lake in the world. Nous avons un des plus grands lacs artificiels au monde. God has blessed Zambia with so much water. Dieu a béni la Zambie avec beaucoup de cours d'eau. That their lakes actually have lakes under them. Au point que leurs lacs ont des lacs en dessous. So you see the lake, but under the lake there's more water. Alors que vous voyez le lac en dessous de ces lacs, il y a aussi des lacs. It's a beautiful country. C'est un pays très beau. But let me talk about my country, Kenya. Et là, je vais parler de mon pays, le Kenya. Anybody been to Kenya? Quelqu'un a déjà visité le Kenya? Let me just see show of hands. J'aimerais voir ceux-là qui ont visité le Kenya. The rest of you, you're invited to come soon. Et le reste, vous êtes invités, venez visiter. Kenya is the world's it's the third largest tea producer in the world. Le Kenya, c'est un des plus grands pays producteurs du thé au monde. It has the best tea in the world. Ils ont le meilleur thé au monde. When you take Lipton's tea, quand vous prenez le thé Lipton and all these other teas, et d'autres thés, they actually mix them with Kenyan tea. La majorité, ils sont mélangés avec le thé kenyan. To improve the standard. Pour améliorer le standard. Kenya produces a third of the world's cut flowers, of the world's flowers that people give to their love heart, to their sweethearts. Le Kenya produit le un tiers des fleurs qu'on produit au monde. When you go to Europe and you find a European giving a flower, chances are it came from Kenya. Si vous voyez en Europe, vous trouvez un Européen qui est en train d'offrir des fleurs, il y a beaucoup de chances que ces fleurs-là viennent du Kenya. And of course, I'm sure you agree. Et je suis très sûr que vous êtes d'accord avec moi. That Kenya has the best long distance runners in the world. Que le Kenya a les meilleurs marathons, les gens qui font la course au monde. We can't play football like people of Congo. Nous ne sommes pas bons ou meilleurs comme les Congolais dans le football. We don't even try. On n'essaie même pas le football. But we can run. Mais on peut courir. When Kenyans run, people praise God. Quand un Kenyan court, les gens remercient le Seigneur. It's a beautiful country. C'est un pays beau.
But I'm sure you don't want to hear about Kenya. Je suis très sûr que vous n'êtes pas venu ici pour so entendre let's talk Kenya. About Congo. On va parler du Congo maintenant. This country of yours. Ce pays qui vous appartient. This is an amazing country. C'est un pays formidable. It is a huge country. Un grand pays. One of the largest in the world. Le pays, un des pays le plus vaste au monde. And you have the best music in the world. Et vous avez la meilleure musique au monde. Do you know that? Est-ce que vous le savez? Your music is amazing. Votre musique est la meilleure. When I listen to Congolese music, I feel jealous. Quand j'entends la musique congolaise, je suis jaloux. I say God is unfair. Je me dis que Dieu est injuste. Why did he pour so many gifts in Congo? Pourquoi a-t-il lancé tous les talents au Congo? It's as if when God was pouring his music across the world. On dirait que lorsque Dieu était en train de verser la musique au monde, his basket fell in Congo. Son bassin est tombé au Congo. I listen to your music, I say, my goodness, even if I don't understand, it's beautiful. Alors que j'entends votre musique, même quand je n'entends rien, je me dis que c'est une belle musique. What an amazing country you're in. Un pays formidable. You have such good food. Vous avez une très bonne nourriture. You have all the minerals in the world. Vous avez tous les minéraux qu'il y a au monde. I mean, this country is so rich with so many minerals. Ce pays est très riche avec beaucoup de minéraux. I don't even have time to tell you all the minerals you have. Je n'ai même pas le temps de vous dire ou bien de commencer à citer les minéraux. All I can tell you is anybody in the world who has a cell phone. Mais tout ce que je peux vous dire, toutes ces personnes qui ont des téléphones mobiles has a piece of Congo in their pocket. Ils ont une partie du Congo dans leur poche. Cell phones cannot run without the minerals from this country. Parce qu'on ne peut pas utiliser un téléphone sans avoir des minéraux du Congo. This is the garden of Africa. Ça c'est le jardin de l'Afrique. I believe the garden of Eden was somewhere in Congo. Je crois que le jardin d'Eden était Maybe quelque part au Congo. Here. Peut-être quelque part ici. The food in this country can feed the whole of Africa. La nourriture qu'on produit ici peut nourrir toute l'Afrique. Praise God for Congo. Remercions le Seigneur. Somebody pour le give Congo. Glory to God for this Est-ce country. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour ce pays? What an amazing country. Un pays formidable. I love your country. J'aime votre pays. I love Makemba. J'aime les Makemba. Ah, Alléluia. So good. C'est très bon. I love Pondu. Wow. J'aime le Pondu. Such good food. De très belles bonnes nourritures. God has blessed your nation. Dieu vous a béni. Dieu a béni votre nation. God has blessed your nation. Dieu a béni votre nation. So let me ask you a question. Alors là, je vais vous poser une question. With all these amazing blessings. Avec toutes ces bénédictions formidables. Why is it that Africa still faces so many challenges? Pourquoi l'Afrique traverse encore beaucoup de défis ou rencontre beaucoup de défis? Why is it that Africa has so many problems? Pourquoi comment se fait-il que l'Afrique ait encore beaucoup de problèmes? When I visited Zambia, quand j'ai visité la Zambie, that I talked about, Zambie dont je parlais ici, with all that beautiful land, avec toutes ces terres fertiles, with all the water that they need, avec tous ces cours d'eau, I went to their supermarkets, je suis allé dans des supermarchés, and all their products are from other countries. Là, je me suis rendu compte que tous les articles venaient d'autres pays. They don't have any products of their own. Il y a rien qui était produit là chez eux. They're fed by foreigners. Ils sont nourris par d'autres personnes. They have all the blessings in the world. Alors qu'ils ont toutes les bénédictions, but other people are benefiting from their blessings. Mais d'autres personnes sont en train de bénéficier de leurs bénédictions. I talked about my own country, Kenya. Je parlais de mon pays, le Kenya. Kenya has six times the rainfall that it needs. Say that again. Kenya has six times more rain than it needs. Le Kenya a six fois les pluies ou bien la quantité de pluies dont elle a besoin. We have a lot of rain. Nous avons beaucoup de pluies. I went to Israel. Je suis allé en Israël. Israel gets 5 inches of rain. Et en Israël, ils ont seulement quelques centimètres de pluie. Every year. Chaque année. It's like a desert. C'est vraiment comme un désert. But they produce enough food. Mais ils produisent beaucoup de nourriture. To feed all their people. Pour nourrir tout leur peuple. And to sell food to the rest of the world. Et envoyer aussi dans d'autres parties de la terre. But in Kenya. Mais au Kenya. Where we have so much rain. Là où nous avons beaucoup de pluie. We are always running into a drought. Nous rencontrons toujours des moments de sécheresse. We don't have enough food for our people. On n'a pas assez de nourriture food pour nos peuples. Food is expensive. La nourriture coûte très cher. We are always looking for donors to help us. On est à la recherche des donateurs pour nous aider. Why is this? Pourquoi ça? Let me bring it closer to home. J'aimerais ramener un peu plus proche de la maison. To this beautiful country ici, called Congo. Nous, le Congo, au Congo. With all the vast wealth I talked about. Avec toutes ces richesses que j'ai mentionnées ici. Congo is one of the poorest countries in the world. Le Congo est l'un des pays le plus pauvre au monde. How can the richest country in the world? Comment se fait-il qu'un des pays le plus riche au monde have the poorest people in the world? A le peuple le plus pauvre au monde. Is it okay for preachers to talk about things like this? Est-ce que c'est normal pour le prédicateur de parler de ces choses? Okay.
I think sometimes as preachers we have to talk about things like this. Je pense que quelquefois en tant que prédicateur nous avons besoin de parler de ces choses. Because I look at our situation. Parce que lorsque je regarde notre situation. And I say what happened to Africa? Je me demande mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Afrique? How can we have all the rich land we have? Comment se fait-il que nous pouvons avoir tout ce que nous avons? And yet we don't have food for our people. Et ne pas avoir assez de nourriture pour notre peuple. We spend so many dollars bringing food from France. Nous gaspillons beaucoup d'argent pour amener de la nourriture de la France. And from England. L'amener de l'Angleterre. And making our colonizers rich. Enrichir nos colonisateurs. And yet God has given us the blessings. Alors que Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. To feed our people. Pour nourrir nos peuples. How is it that malaria kills so many people in Africa? Fait-il que le paludisme peut tuer beaucoup de gens en Afrique? And you don't hear it killing people in other countries. Et on n'entend pas parler de la malaria dans d'autres pays. How is it that all the money we make in Africa? Comment se fait-il que tout l'argent que nous faisons ici? Out of every $100 made in Africa. De tous les 100 dollars que nous gagnons ici en Afrique, $65 goes to the West. 65 dollars est renvoyé en Europe. And the rest is left for us here. Et nous restons seulement avec 35 dollars. How is it that the richest continent in the world? Comment se fait-il que le continent le plus riche au monde has the poorest people in the world? A le peuple le plus pauvre au monde. What is wrong with Africa? C'est quoi le problème avec l'Afrique? Have we been bewitched? Est-ce que sommes-nous ensorcelés? Is it more prayer that we need? Avons-nous besoin de beaucoup de prières? Is it deliverance that we need? Avons-nous besoin d'une certaine délivrance? Is it more churches that we need? Avons-nous besoin de beaucoup d'églises? Or is it that maybe God likes white people and doesn't like black people? Ou peut-être Dieu aime les blancs mais il aime pas les noirs. Somebody told me another day, I think Africans we are cursed. Dernièrement quelqu'un m'a dit que je pense nous Africains nous sommes maudits. And I looked and I said, he actually believes Africans are cursed. Et je le regardais, je me suis dit mais il croit réellement que l'Africain est maudit. No! Non, c'est pas vrai. No! No, we are not cursed. Nous ne sommes pas maudits. God loves this continent. Dieu aime ce continent. God loves the people of Africa. Dieu aime les Africains. He has given us all the blessings. Dieu nous a donné toutes les bénédictions. He has made us the richest continent in the world. Il a fait de nous le continent le plus riche au monde. God loves Congo. Dieu aime le Congo. That's why there are so many blessings in this country. C'est pour ça qu'il a déversé beaucoup de bénédictions sur ce pays. You see, the problem is not with our God. Le problème n'est pas avec notre Dieu. The problem is not with our prayers. Le problème n'est pas avec nos prières. The problem is not with our fasting. Le problème ce n'est pas notre jeûne. The problem is with our thinking. Mais le problème c'est avec notre mentalité. Romans chapter 12 says. Romains chapitre 12. We must be renewed. La Bible dit nous devons être renouvelés. Through thinking. Par le renouvellement de notre mentalité. It doesn't say we must be renewed in our hearts. La Bible ne dit pas que nous devons être renouvelés dans nos cœurs. It's not talking about being renewed in our spirits. Il ne parle pas de la renouvellement de nos esprits. You know, as Africans, we are praying for revival. Africains, nous sommes en train de prier pour le réveil. We are waiting for revival of the spirit. Nous attendons le réveil spirituel. But God is saying we must be transformed by the renewing of the mind. Mais Dieu dit nous devons être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Dis à ton voisin, le renouvellement ou bien le réveil commence dans ta mentalité. It starts in the mind. Tout commence dans la mentalité. When we have the wrong thinking, lorsque nous avons une mauvaise mentalité, we have the wrong solutions. Nous avons de mauvaises solutions. When you have the wrong solutions, et quand tu as de mauvaises solutions, you stay in your position. Tu restes et tu demeures dans sa même position. We must stop the wrong thinking. Nous devons arrêter avec cette mauvaise mentalité. You know the passage I want to read for you in God's word. Le passage de la Bible que je vais lire dans la parole de Dieu. Shows what happens when people have the wrong solutions. Parle de ce qui arrive lorsque les gens ont des mauvaises mentalités. I'd like to read a passage in the book of 1 Samuel. Je vais lire un passage dans la Bible, au livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapter 13. Le verset 13. We're going to read it from verse 19 to 22. 1 Samuel chapitre 13, verset 19 jusqu'à 22. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 13, 19 jusqu'à 23. La Bible dit, on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants des bêches, des joyaux, des tridents, des haches et des émousses et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne s'est trouvé ni épée,
ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ils ne s'en trouvaient qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage de Mishmash-Emen. Here's a big problem. Voici le grand problème. You're fighting with an enemy. Vous combattez contre un ennemi. And you have no chance of winning. Et vous n'avez aucune chance de gagner. Why? Pourquoi? Because you're fighting with the wrong weapons. Parce que vous vous battez avec des mauvaises armes. You're using the wrong solutions. Vous utilisez des mauvaises solutions. The Philistines made sure. Les Philistins se sont rassurés. That the Israelites had no swords. Que les Israélites n'avaient plus d'épées. They had no weapons. Qu'ils n'avaient pas d'armes. They could only fight with their farming tools. Et ils ne pouvaient se battre qu'avec des houes et des oyaux. But even those farming tools, mais même avec ces oyaux qu'ils avaient, if they want to sharpen them, même s'il fallait les aiguiser, so they can go and fight, pour aller combattre, they have to go pay the Philistines. Ils étaient supposés de rentrer et payer les Philistins to sharpen their tools, pour aiguiser leurs armes, so they can go fight them, afin de se battre contre eux. Can you see the problem? Est-ce que vous voyez le problème? They will never win. Ils ne pourront jamais gagner. It doesn't matter how many years they fight. Peu importe le temps qu'ils prennent pour se battre. You cannot win if you're using the wrong tu weapons. Tu ne peux pas vaincre si tu utilises des mauvaises armes. You know, we Africans are using the wrong weapons. Vous savez, nous Africains, nous utilisons de mauvaises armes. And as I have prayed over this continent, et alors que je priais pour ce continent, God has given me such a broken heart for our Dieu continent. M'a donné un cœur brisé pour ce continent. Because I believe God loves this continent. Parce que je le crois de tout mon cœur que Dieu aime ce continent. He wants us to arise. Il voudrait que nous puissions nous élever. He wants us to be prosperous. Que nous puissions nous relever et être prospères. God wants Africa to be a donor continent. Dieu voudrait que le Congo, l'Afrique soit un continent élevé. Blessing other continents. Un continent qui va bénir d'autres continents. He doesn't want us always to be begging. Il ne voudrait pas que nous soyons He doesn't always want us to be receiving. Pour recevoir des autres seulement. The Bible says it is better to give than to receive. La Bible dit qu'il est c'est mieux de donner que de recevoir. Why can't we start getting the blessings of giving? Pourquoi nous on ne peut pas commencer à avoir cette bénédiction de donner? But I believe it begins with the mind. Et moi je crois que tout commence par la mentalité. Understanding the wrong weapons we're using. Quand nous comprenons que nous avons de mauvaises armes pour combattre. As I've prayed about these weapons. Et alors que j'ai prié pour ces armes. One of the ones that God showed me is the wrong education. Une de ces armes que Dieu m'a montré, c'est une mauvaise éducation. And the second one I'll talk about is the wrong religion. Et une autre chose dont je vais parler, c'est une mauvaise religion. So the first one is wrong education. La première, c'est une mauvaise éducation. The second is wrong religion. Et la deuxième, c'est une mauvaise religion. So let me begin with education. Je vais parler de l'éducation. You know the schools that we went to. Vous connaissez toutes ces écoles que nous avons fréquentées. The schools in our continent. Les écoles que nous avons dans notre continent. Do you realize they were not developed for the prosperity of this continent? Est-ce que vous vous rendez compte que ce système n'était pas mis en place pour le bien-être de ces continents? When the colonialists began schools. Lorsque les colonisateurs ont mis en place des écoles. They were not doing it to make Africans rich. Leur objectif n'était pas de d'enrichir les Africains. Their thinking. Leur mentalité ou leur manière de penser. Was to get the brightest Africans. C'était de réunir les Africains les plus intelligents. To pull them aside. Les mettre à côté. And then to train them, les former, so they can work for them, pour que ceux-ci puissent travailler pour eux, and make them rich, et les enrichir encore. That's what the school system was C'était created ça for. Le système de l'éducation qu'on nous a amené. And you know today, et vous le voyez aujourd'hui, it hasn't changed much across Africa. Ça n'a pas changé vraiment en Afrique. Many of us go to school, nous allons à l'école, and the idea of behind school, et l'idée is you get an education, nous disons que nous allons prendre, so you can get a good job, pour trouver un bon travail, working for some company, travaillant pour une entreprise quelconque, working for an oil company, travaillant pour une entreprise quelconque, working for a bank, travaillant pour une banque, working for a foreign company, ou travailler pour une entreprise étrangère, giving them your best value, leur donnant ta valeur et toutes tes and valeurs not developing your own people. Et ne pas développer ton peuple. One of the things I found in my country, et une des choses que j'ai rencontrées dans mon pays, I'm sure it's very different here. Je suis très sûr que c'est différent ici. We have a lot of educated people. Nous avons beaucoup d'intellectuels. With great degrees. Ils ont beaucoup de diplômes. Degrees in all the things you can imagine. Des diplômes dans tous les domaines que vous pouvez Some imaginer. Some of them are even professors. Et certains, ils sont même des professeurs d'université. Ils ont des PhDs.
But when you go to their village, mais quand tu vas, tu visites leur village, where they grew up, là où d'où ils sont venus, there's no running water. Il n'y a pas d'eau qui coule. People are poor. Les gens sont pauvres. People don't have hope. Les gens n'ont plus d'espoir. But he has a PhD. Mais il a un doctorat. I'm sure Congo is different. Je suis très sûr qu'ici c'est différent, n'est-ce pas? Wow! The purpose of an education, l'objectif de l'éducation, should be to teach you to create solutions. Serait normalement de nous apprendre à créer des for solutions your people. Pour nos peuples, pour notre population. Africa is poor. L'Afrique est pauvre. Because the educated ones, parce que les intellectuels, are not creating solutions, ne créent pas des solutions for their nations, pour les problèmes de leur nation. They are looking to create solutions for themselves. Ils cherchent des solutions que pour eux-mêmes. And as a result, we are fighting with the wrong weapons. Et au final, on se rend compte qu'on combat avec des mauvaises armes. So let me ask you again. Et j'aimerais vous poser une question encore. What problem were you created to solve? Quel problème êtes-vous créé pour résoudre? Let me talk about wrong education, a wrong religion. Je vais parler de cette mauvaise religion. I suspect some of you are looking at me and wondering, what is this preacher talking about today? Je me rends compte qu'il y a des gens ici qui se demandent, mais ces prédicateurs, ils nous parlent de quoi ce soir? But like I said, I believe a season is coming. Mais comme je l'ai dit, je crois qu'il y a une saison nouvelle qui commence. When as God's people, we must have the wisdom of the world. Et dans cette saison, nous devons avoir because la sagesse du monde. The Bible says we must be as innocent as doves, but as wise as serpents. La Bible dit que nous devons être aussi I believe that God wants to download wisdom in the house today. Je crois que Dieu voudrait télécharger de la sagesse dans nos cœurs ce soir. And so let me talk about the wrong religion. Et j'aimerais parler d'une mauvaise religion, une fausse religion. If you've traveled to the West, si vous avez visité l'Europe, or you've seen pictures on TV, ou vous avez vu des images à la télé, I have some news for you today. J'ai une nouvelle pour vous. Many of the advances of the West, la plupart des évolutions que vous voyez en Europe, were created by people of great faith. Ce sont des choses qui ont été créées par des gens et des communautés de foi. It is people of faith. Ce sont des hommes de foi who invented hospitals, qui ont créé des hôpitaux, who stopped the slave trade, qui ont mis fin à l'esclavage. They are the ones who established human rights. Ce sont des gens qui ont combattu pour le droit de l'homme. They created the greatest universities. Ce sont des gens qui ont créé des grandes universités. They built large companies. Ils ont créé des grandes entreprises. And they advanced their nations. Et ils ont fait évoluer leur pays. It was people who understood Jesus. Ce sont des gens qui avaient une connaissance de Jésus. Who brought wealth to their nations. Et qui ont amené la richesse dans leur pays. But it's different in Africa. Mais en Afrique, c'est différent. The Christianity that the missionaries brought us, le christianisme que les missionnaires nous ont amené, it had only one part that it got right. N'avait qu'un seul aspect. Because they taught us about spiritual renewal. On nous a parlé d'un renouvellement spirituel. And they taught us about personal advancement. Et ils nous ont parlé d'un avancement, une transformation personnelle. And so as Africans, we learned the spiritual disciplines. En tant qu'Africains, nous avons appris des disciplines spirituelles. We learned how to pray. Nous avons appris à prier. We learned how to fast. Nous avons appris à jeûner. We learned how to attend the worship nous service. Nous avons appris à venir à l'église pour adorer. And Africa, I bless God because we can pray. Je remercie le Seigneur parce que nous pouvons prier africains. I was excited because I came in a time of prayer in je your church. Je suis très heureux d'être venu pendant le moment des prières dans votre église. Our church is also having a similar time of prayer. Notre église a aussi un moment similaire chez nous, un moment des prières et des jeûnes. And I believe God is honored by his people as we pray. Et je crois que Dieu est en train d'être honoré par son peuple alors que nous prions. The missionaries also taught us. Et les missionnaires nous ont appris that God can do things for us if we trust in him. Que Dieu pouvait nous faire des choses pour nous si nous lui faisons confiance. Un Dieu qui peut guérir. He's a God of deliverance. Un Dieu qui peut délivrer. He's a God of miracles. Un Dieu qui peut faire des miracles. And we know this about God et nous le as croyons Africans. Et nous le savons que Dieu est capable de le faire. But there's a part they never taught us. Mais il y a une partie qu'on ne nous a pas enseigné. They never taught us. On nous a pas enseigné. That when we have the Holy Spirit in us, que lorsque le Saint-Esprit est en that nous, we are the ones who bring solutions to the world around us. Alors nous sommes supposés amener la solution they dans didn't le monde teach us autour that. De nous. On ne nous a pas enseigné cela. I have a problem with missionaries in my country sometimes. J'ai un problème avec des missionnaires dans mon pays quelquefois. I go to their mission compounds. Je vais dans leur
dans leur endroit où ils restent. They have big technology in the compound. Ils ont des très hautes technologies dans leur maison. They have projectors. Ils ont des projecteurs. They have trucks. Ils ont des camions. They have solar technology. Ils ont des systèmes solaires. And they are using it to preach the gospel. Et ils utilisent ça pour prêcher la bonne nouvelle. And they are bringing Christ to the people. Et ils amènent le Christ aux gens. But they're not sharing the technology with the people. Mais ils ne sont pas en train de partager cette technologie avec le peuple. And I say to them, why are you teaching half the gospel? Mais je leur ai dit, écoutez, pourquoi vous enseignez juste une partie de la bonne nouvelle? Jesus doesn't just want to give us spiritual salvation. Jésus ne veut pas seulement nous donner les saluts spirituels. He wants to give us salvation everywhere. Il veut nous donner les saluts dans tous les domaines de nos vies. He wants our bodies to be saved. Il voudrait que nos corps soient sauvés. He wants our finances to be saved. Il voudrait que nos finances soient sauvées. He wants our countries to prosper. Il voudrait que nos pays puissent prospérer. He's not just interested in my pocket. Il n'est pas intéressé que par notre poche. He was interested in my whole village. Il est intéressé par notre village. When I come to Christ, my village should benefit. Quand je suis sauvé en Christ, mon village doit bénéficier de ce salut. And they never taught us that. Mais on nous a pas parlé de ces choses. And that's why Africa today. C'est pourquoi africain que nous sommes ce is soir. Is the most spiritual continent in the world. Afrique, c'est le continent le plus spirituel au monde. We're the most praying continent in the world. Un continent qui prie plus que tous les autres continents. But we're the continent that has the most poverty. Mais le continent qui a beaucoup de pauvreté. Le continent qui a la corruption. The most injustice. Le continent qui vit l'injustice. The most chaos. Le continent qui vit dans le And chaos. I believe it's because we've been taught half the gospel. Et je crois que c'est parce que nous avons reçu qu'une partie de la bonne nouvelle. We're taught about the gospel of salvation. On nous a parlé que du salut. But we've not been taught about the gospel of the kingdom. Mais on ne nous a pas parlé du royaume. Because the gospel of the kingdom, parce que la bonne nouvelle du royaume, which is what Jesus preached, c'est la bonne nouvelle que Christ a prêché, is that God's rule on heaven comes down to earth. C'est le règne de Dieu qui vient du ciel sur la terre. And His will is done in my village. Et la volonté de Dieu au ciel est accomplie dans nos villages, de la même manière que that is God's intention for every one of us. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous tous. It's not just a prayer He was teaching us. Ce n'est pas seulement une prière qu'il nous a appris. It is the practice. He wanted us to live Mais c'est une pratique qu'il voudrait que nous puissions vivre. And so the mission, the faith that we practice in Africa, alors la foi que nous pratiquons en Afrique, is different. C'est une foi différente. From the faith that changed the West, elle est différente de cette foi qui a transformé l'Europe. From the faith that built their economies, elle est différente de cette foi qui a transformé leur économie. From the faith that established their democracies, elle est différente de cette foi qui a établi leur démocratie. And so I'm going to say something radical tonight. J'aimerais dire quelque chose radical ce soir. Some of you won't be happy with me saying this. Peut-être que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. But I've come to be convinced. Mais je suis convaincu. As I've traveled across this continent. Après tous les voyages que j'ai fait dans ce continent. That what Africa needs today. Je me dis qu'est-ce que l'Afrique désire ce soir. Is not more churches. Ce n'est pas beaucoup plusieurs churches. Is not more plusieurs prayer. Églises. On n'a plus besoin de beaucoup de prières. Is not more Christians. Ou beaucoup de chrétiens. It is people who understand what it means to be made in the image of God. On a besoin des gens qui comprennent ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu. It is Christians who understand the kingdom of God. Des chrétiens qui comprennent le royaume de Dieu. And understand that they are ambassadors for the kingdom of God. Des chrétiens qui comprennent qu'ils sont ambassadeurs pour le royaume de Dieu. It is Christians who understand Jesus's message. Des chrétiens qui comprennent le message de Christ. That when Jesus came on earth, que lorsque Christ est venu sur la terre, He came to show us who God is. Il est venu nous montrer qui était Dieu. But he also came to show us who we are. Il est aussi venu nous montrer qui nous sommes. When you look at Jesus, lorsque tu regardes Christ, you should say that's how the Father looks. Tu devrais voir le Père en Christ. But when you look at Jesus, mais lorsque tu regardes à Christ, you should say that's how I'm meant to look. Tu devrais aussi voir c'est à quoi Because tu dois Jesus être. Said, parce que Christ l'a dit, the things you've seen me do, ces choses que vous m'avez vu faire, you will do even greater vous things. Vous en ferez et même plus que ça. Can I repeat that? Est-ce que je peux répéter cela? Because I don't think you heard me. Je ne pense pas que vous avez compris ce que j'ai dit. Jesus. Jésus. The one who healed the dead. Celui-là qui a ressuscité les morts. The one who raised lepers. Il a relevé les lépreux. The one who fed the crowds. Celui qui a nourri des foules. The one who stopped the storm. Celui qui a arrêté la tempête. He said, "The things you've seen me do." Il dit ces choses que vous me voyez faire. You, my disciples. Vous, mes disciples. You, my disciples. Vous, mes disciples. You will do greater vous things. Vous ferez même plus que ça. Oh, come on, somebody give glory to God Quelqu'un right now. Quelqu'un peut donner la gloire au Seigneur ce soir. You were created to do great things. Vous avez été créé pour faire de grandes choses. Tell your neighbor you are made for more. Dis à ton voisin, tu as été créé pour plus. You are made for more. Tu as été créé pour plus.
You are created to be one of Congo's blacksmiths. Tu as été créé pour être l'un des meilleurs travailleurs du fer au Congo. You are created to provide solutions for your continent. Tu as été créé pour fournir des solutions à ton continent. Amen. Look at your neighbor. Regarde ton voisin. Do they look like they have a solution? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui a une solution? You were created for solutions. Tu as été créé pour des solutions. You see, I believe God doesn't just want us saved and delivered. Écoutez, je crois que Dieu ne nous veut pas seulement sauver et délivrer. The book of Hebrews. Le livre d'Hébreux. It calls those the elementary things of the parle faith. Parle de ces choses comme étant les élémentaires dans la foi. That is just the entrance. C'est un peu l'entrée de toutes God choses. Wants to heal you. Dieu veut te guérir. God c'est bien. Wants to bless you. Il voudrait te bénir, c'est vrai. But that is just the beginning of faith. Mais ça c'est juste le commencement de la don't foi. Don't get stuck at the door of the kingdom. Pas à la porte du salvation royaume. Is just the door. Le salut c'est la porte. God wants you to walk in. Mais Dieu voudrait que tu puisses enter entrer, in. Que tu entres dans find le royaume what he has for pour you voir in there. Ce qu'il a réservé pour live toi à l'intérieur the life of the kingdom. Afin de vivre la vie du royaume solve the problems of et your résoudre nation. Le problème des nations. You know, whenever I travel across the world, alors que je visite le monde, I look at these Americans. Je regarde à ces Américains. I look at this British. Je regarde à ces Anglais. I say God doesn't love you more than me. Je dis écoutez, Dieu ne vous aime pas plus qu'il m'aime. He doesn't love you more than me. C'est pas qu'il vous aime plus que moi. In fact, it's so funny sometimes when I go to those countries, they see my color, the color of my skin. C'est intéressant quelquefois quand je visite ces pays lorsqu'ils voient la couleur de ma peau. And they say how can we help you? Ils se disent comment pouvons-nous t'aider? And I say why do you think you can help me? Et moi je dis mais pourquoi pensez-vous que vous devez m'aider? I think I can help you. Parce que moi je pense que je peux vous aider. Why don't I ask you that question? Pourquoi je ne vous pose pas cette how question? How can I help you? Comment puis-je vous aider? You know, we've been taught that you have to have money to help people. On nous a dit que nous avons besoin de l'argent pour aider les autres. Just this morning I was reading the book of Acts. Et ce matin alors que je lisais le livre de Actes des apôtres. I love how Peter says it. J'aime comment Pierre l'a dit. He says silver and gold I have none. Il dit écoute l'or ni l'argent je n'ai pas. But such as I have. Mais ce que moi j'ai. I give to you. Je te le donne. In the name of Jesus. C'est au nom de Jésus. Rise and walk. Lève-toi et marche. You have it in you. Tu l'as en toi. The power of God is in you. La puissance de Dieu est en toi. The power to change your nation. La puissance pour changer ta nation est en toi. Why is Africa poor? Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Because of our thinking. C'est pas à cause de notre mentalité. Because of our thinking. À cause de notre mentalité. We've been taught to wait for solutions. On nous a parlé, on nous a demandé d'attendre des solutions. We wait for the government to help us. On attend que le gouvernement puisse nous aider. We wait for the rich people to help us. On attend que les riches puissent nous aider. We wait for the UN to help us. On attend que les Nations Unies viennent nous aider. This afternoon I went to the UN office here. Cet après-midi, j'ai visité un des bureaux des Nations Unies ici à Kinshasa. I hope they don't arrest me for saying this. J'espère qu'ils vont pas m'arrêter pour ce que je vais dire. I was almost crying. J'étais là, je voulais vraiment pleurer. My wife can tell you. Mon épouse peut vous le dire. It is beautiful. C'est très joli à l'intérieur. It's like heaven. Un peu comme le ciel. Nice houses. Des très jolies maisons. Beautiful air-conditioned office. Avec de air conditioning, avec climatisation. And all that money et tout cet argent that has built those things qui a construit et bâti toutes ces choses has been raised c'est l'argent qu'ils ont eu chez eux to help the poor Africans. Pour venir aider les pauvres Africains. I looked at those houses, I said, who are they helping here? Et moi, je les regardais, j'ai dit, mais ils sont venus voir. I don't think this is helping me je ne pense pas que ces maisons sont en train this de m'aider. This is providing money for somebody out there. Mais moi, je me dis qu'ils sont en train de fournir de l'argent. As Africans, we must start getting angry now. En tant qu'Africains, nous devons nous fâcher maintenant. We must start getting a righteous anger. Nous devons avoir une colère sainte. Just like Jesus got in the temple. Comme de la même manière que Christ l'a dit dans le temple. When he found people trading in God's house. Lorsqu'il a vu les gens faire des achats et des ventes. Misusing the resources of God. Et ils étaient en train d'utiliser les ressources de Dieu. We must start saying we don't need the UN. Nous devons nous dire nous n'avons pas besoin des Nations Unies. We don't need the World Bank. Nous n'avons pas besoin de la Banque mondiale. The only reason we need them is because God's people. La seule raison pour laquelle nous en aurons besoin de eux, c'est parce que le peuple de Dieu have not understood who they are. N'ont pas compris qui ils sont. Do you know who you are? Sais-tu qui tu es? Do you know what you have within you? Sais-tu ce que tu as en toi? Do you know the power of God that is in you? Sais-tu cette puissance? Connais-tu la puissance de Dieu qui est en toi? One of the things I tell the people in my church. Et une des choses que j'ai dit aux gens dans mon église. If you've been coming to my church for 3 years. J'ai dit, écoutez, si vous avez été dans notre église pendant 3 ans.
And you're still coming to me to pray for you because I'm the man of God. Et que vous venez toujours me voir pour prier pour vous parce que je suis l'homme de Dieu. Then I'm doing the wrong thing. Alors j'ai échoué dans mon travail. Yeah. Yeah. If you've been coming to this church, et si vous venez à cette église, and you've not yet understood that you have the power, et que vous n'avez jamais compris que vous avez la puissance, the pastor, Pastor Atoms, is your coach. Le pasteur Atoms, c'est un peu comme votre coach. He's just here to make sure you're using your power well. Il est là pour se rassurer que vous utilisez votre puissance bien. To coach you to use the power. Il est là pour vous entraîner à comment utiliser votre pouvoir. But you're the one with the power. Mais ce n'est pas lui qui détient toute la puissance. It is you to do greater things. C'est à toi de faire des grandes choses. The pastors are here just to be your servants. Les pasteurs sont là pour vous servir. To help you to do your afin de vous aider pour faire des grandes choses que vous allez so faire. So I want to say this to. Et j'aimerais le dire ce soir. If your family, si votre famille, that you come from, la famille qui vous a élevé, is depressed by witchcraft, est submergée par la sorcellerie. If your family is suffering under a curse, si votre famille souffre des effets de la sorcellerie, de la malédiction. If the men in your family can never get jobs, si les hommes dans ta famille ne peuvent pas avoir du travail. And the women in your family never get married, they have children before they get married. Et les femmes dans ta famille ne peuvent pas se marier, elles ont des enfants. And you've been waiting for the pastor to pray for you so that the curse is broken. Que vous attendiez seulement à ce que le pasteur vienne prier pour vous pour briser cette malédiction. I want to tell you the real problem. J'aimerais vous dire le vrai problème. The real problem is you don't know who you are. Le vrai problème c'est que vous ne vous connaissez pas you encore. You don't know the power that is within vous you. Vous ne connaissez pas le pouvoir. You don't know what God has deposited in you. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a déposé en vous. You don't understand that you are a person of authority. Vous ne comprenez pas que vous êtes une personne d'autorité. And the devil delights in seeing God's people. Et le diable se réjouit en voyant le peuple de Dieu. Walking without understanding. Marcher sans connaître son autorité. You need to know your authority. Tu dois connaître ton autorité. Amen. This afternoon, I took a long walk. Ce soir, cet après-midi, j'ai marché un peu. In the sun of Kinshasa. Sous le soleil de Kinshasa. With my wife. Avec mon épouse. And we took a walk. Et on est allé. To our hotel. Jusqu'à notre hôtel. Because I needed to go visit a friend. Parce que je voulais aller visiter un ami. And then I came here to church. Et après, je suis venu ici à l'église. I told Pastor Atoms, today I walked with my wife. J'ai dit à Pasteur Atoms, écoutez, aujourd'hui je me suis promené un peu avec mon épouse. I said it was quite hot. Je lui ai dit, écoute, c'était, il faisait vraiment chaud. He asked me, why did you walk? Il m'a dit, mais pourquoi vous avez marché? I said I didn't want to disturb you. Parce que je ne voulais pas vous déranger. I didn't want you to leave what you're doing and come and take me somewhere. Je ne voulais pas que vous puissiez abandonner ce que vous faisiez pour venir m'amener là où j'allais. He told me, Pastor. Il m'a dit, écoutez, Pasteur. There's a car parked outside your hotel. Il y a un véhicule au parking à ton hôtel. It has been there the whole day. Ce véhicule est là toute la journée. Waiting for you to tell it where to go. C'est un véhicule qui attend ce que toi tu lui dis. Why are you walking with your wife in the sun? Pourquoi tu marches sous le soleil alors qu'il y a un véhicule? And there's a car that is parked right out there. Alors qu'il y a un véhicule qui t'attend juste dehors là-bas. Many Christians were like me. Beaucoup de chrétiens ils sont comme le pasteur. The devil is harassing the family. Le diable il est en train de maltraiter la famille. People are crying in our home. Les gens sont en train de pleurer dans nos maisons. The office where we work is depressed. Au bureau là où nous sommes, on est maltraité. Corruption is everywhere. La corruption est partout. We're crying out to God. Et nous sommes en train de crier au Seigneur. And God is saying, but I have the Holy Spirit. Et Dieu est en train de dire, écoutez, j'ai I le Saint-Esprit. I have given him to you. Je vous le donne. He's there for you to il use. Il est là à vous de l'utiliser. To take you where you need to go. À vous de marcher avec Why lui partout are you vous suffering? Voulez. Pourquoi vous You need to know who you are. Tu dois connaître qui tu es. Oh God, open the minds of your people Seigneur, today. Ouvre l'intelligence de that they ton will peuple understand the power that you qu'ils have comprennent for them. La puissance que tu oh as God, pour open eux. Someone's mind in this Ouvre place les today. Yeux et l'intelligence de quelqu'un I believe ce soir. A deliverance is happening Parce que je crois qu'il y a la délivrance qui prend place a deliverance ce soir. Of the mind. La délivrance de notre mentalité. That someone today is going to be snapped je out crois que quelque chose va être of the bondage that has kept them in et shackles. Nous allons quitter les chaînes qui nous ont liés pendant and today longtemps. A new power will be un nouveau pouvoir va être lancé among God's people. Au milieu du peuple de Dieu. I want to end with a story. Et moi, je vais finir avec une histoire. And then we'll take a little time to pray. Et après, nous allons prendre un moment de prière. This message, I've preached it for years. Ce message, je l'ai prêché pendant des années. And I teach it in our church. Et je l'enseigne dans notre église. I say you need to know your solution. Et je dis toujours aux gens, écoutez, vous devrez connaître votre solution. Your solution is different from your solution. Ta solution est différente de la solution de l'autre. Every one of you, there's something God put you on en this earth to fulfill. En chacun de vous, il y a quelque chose que Dieu a placé en vous. And you need to understand your solution. Et Dieu, vous devez comprendre et connaître votre solution.
So there's this young lady. Il y a cette jeune dame. Her name is Anne. Elle s'appelle Anne. She came to our church. Elle est venue à notre église. Her family had been praying for her to get saved. Sa famille priait pour elle pour qu'elle reçoive le Seigneur. And she was very confused. Elle était confuse. But she had the gospel. Mais elle a entendu la bonne nouvelle. She gave her life to Jesus. Elle a donné sa vie à Christ. And as a very young Christian, et alors qu'elle était trop jeune, jeune chrétienne, she began to ask God. Elle a commencé à poser des questions, à demander à Dieu. Show me my solution. Elle disait, Seigneur, montre-moi ma solution. Show me why you made me. Montre-moi pourquoi tu m'as créé. One day. Et un jour. A small group from the church un petit groupe de l'église was going to visit some refugees. Allait rencontrer ou bien visiter les réfugiés. And they were just going to take them some food. Et ils devraient amener un peu des articles, en fait, de quelque chose à manger. And so she went with them. Et elle les a accompagnés. And when she saw those poor people, lorsqu'elle a vu ces pauvres, and she saw the situation they were living in, et après avoir vu la situation dans laquelle ils vivaient, God told her, "Here's where your solution is." Dieu lui a dit, écoutez, c'est ici qu'il y a ta solution. She began to. She said, "God, I'm so young." Et elle se disait, mais écoute, Seigneur, je suis encore jeune. I've just finished school. Je viens de finir à peine les études. What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? God said, "What do you have in your hand?" Dieu a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? She says, "I have an education." Elle dit, mais j'ai juste une éducation. I'm a designer. Je suis un designer. God told her, "That's all I need." Et Dieu a dit, c'est tout, c'est de ça que j'ai besoin. And so God, she began to pray. Et elle a commencé à prier. And ask God how to help these people. Et elle demandait au Seigneur de l'aider à connaître comment aider ces gens. And then she realized they like making things with their hands. Et après, elle s'est rendue compte que ces gens aimaient travailler avec les mains. And that's something she's good at. Et c'est quelque chose qu'elle sait bien faire. So she began to help them to make things with their hands. Alors elle a commencé à les aider à les apprendre à fabriquer des choses avec les mains. She started a small work, a group of women. Elle a commencé, elle a initié un petit atelier de un groupe and de femmes. She'd go in the evening after work. Et un jour, un soir, enfin, elle y va chaque soir après le travail. Show them how to make earrings. Elle les apprend à fabriquer des bijoux. Show them how to make necklaces. Elle les apprend à fabriquer des chaînettes. Show them how to make bangles. Et des gourmettes, des groumettes. And she began. They began to make beautiful bangles. Et ils ont commencé à fabriquer des jewelry. Ils ont commencé à fabriquer des bijoux et des chaînettes. And so she began to look for people to buy the jewelry. Et après, elle a commencé à chercher des gens qui vont acheter. She began to bring some of it to church. Elle a amené certains de ses articles à l'église. People really liked it. Et les gens ont aimé ce qu'elle fabriquait. So people started buying the jewelry. Et les gens commençaient à acheter. Some people even from outside the country took it outside the country when they went. Ils ont amené ça même en dehors du pays quand ils visitaient. And people asked them, "Where did you get that?" Et les gens ils demandaient, mais où est-ce que vous avez trouvé ces choses? And they gave Anne's contact. Et elle donnait le numéro de contact de Anne. And she got more orders. Et elle fabriquait encore. She got another group of women. Et elle a mis ensemble un autre groupe and de femmes. And then she got another group of women. Et notre groupe de femmes en suivi. This girl who has just left school. Et cette jeune femme qui venait juste de finir les études. These women, she started seeing their lives changing. Elle a commencé à voir les vies des femmes transformées. Some of them were selling their bodies. Certaines d'entre elles étaient des prostituées. Now they didn't have to do that anymore. Mais maintenant, elles n'avaient plus besoin de faire cela. Because they had food for their children. Parce qu'elles pouvaient faire de l'argent en fabriquant les choses. They could pay for school. Elles pouvaient payer les études. Some of them even started to build their own homes. Et certaines d'entre elles commençaient à fabriquer ou bien à construire and des maisons. And now they own their own houses. Et après, maintenant, elles sont propriétaires de maisons. And today they thousands of families. Et aujourd'hui, il y a des milliers de familles in the city of Nairobi, dans la ville de Nairobi, whose lives have been changed, qui ont été transformées, because one girl, parce qu'une jeune started femme using the right solution, a commencé à utiliser des bonnes started solutions, understanding who God has elle a called commencé her to à comprendre à quoi started Dieu l'a changing appelé, the lives of elle people. A commencé à changer, à transformer les vies des right gens. Now, Anne is in the middle of buying some land. Aujourd'hui, Anne est en train de vouloir acheter une portion de terre to build a huge workshop. Pour construire un très gros gros atelier. Because her jewelry is being sold in Switzerland. Parce que ses perles sont vendues aujourd'hui en Suisse. It's being sold in Brazil. Ses perles sont vendues au Brésil. It's being sold in France. On les vend aussi en France. People are ordering the jewelry. Et les gens sont en train de placer des commandes. Anne is passing the money to these women. Anne est en train de renvoyer l'argent à ces she's femmes. She's uplifting the lives elle of her country. Elle est en train de relever la vie d'un Kenya pays. Is changing. Le Kenya est en train because de changer. Because one Christian parce qu'une seule femme understands chrétienne a compris their solution. Qu'elle a, elle imagine what could happen to Congo. Imaginez ce qui peut arriver if au Congo. All the Christians in this si room chacun de nous dans cette could salle begin to understand nous devons commencer à comprendre what their solution is. Les solutions que Dieu nous a Congo donné. Is waiting. Et le Congo attend. Africa is waiting. L'Afrique attend.
Romans chapter 8 verse 19. Romains chapitre 8 verset 19. It says the creation is groaning. La Bible dit que la création attend avec ardent désir. Waiting for the sons and the daughters of God to be revealed. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Congo is groaning. Le Congo attend. Waiting for the sons and the daughters of God to be revealed. La manifestation des fils et des filles de Dieu dans ces pays. And I believe the time of groaning is over. Et je crois que le temps d'attente est because the Lord is about to pour out a new parce outpouring. Que Dieu va lancer une an nouvelle outpouring puissance, of his spirit. Une puissance de son that esprit will bring about the opening of qui our va minds, renouveler notre intelligence, the transformation of our thinking, la transformation de notre mentalité. And Africa will be changed. Et l'Afrique sera transformée. And our children will grow up et in a different reality. Et nos enfants vont grandir dans une réalité autre. From the one we grew up in. Dans une réalité différente de celle dans laquelle nous avons été élevé. Father God, come in now. Holy Spirit, Saint-Esprit, we invite you now nous t'invitons ce soir into this place. Nous t'invitons à cet endroit. Oh God, you're the one who sets free. Seigneur, tu es celui qui libère. Your word says, he who the Son sets free. La Bible dit, celui qui est libéré par son Fils is free indeed. Il est libre réellement. You're here in the business of setting us free. Tu es ici pour nous libérer. For too long, the devil has lied to pendant us. Longtemps, le diable nous a menti. He's only allowed us to learn one part of salvation. Il nous a appris à apprendre seulement une certaine partie de du salut. He has not allowed us to understand the message of the kingdom. Il nous a pas permis de comprendre le message du royaume. Today your sons and daughters are mais beginning to understand tes fils et tes filles ont commencé à comprendre the message of the kingdom. Le message du royaume. Right now, Lord, you're dropping wisdom. Maintenant, Seigneur, tu déverses ta sagesse. Somebody is beginning to receive their solution. Quelqu'un right commence now à recevoir la solution ce somebody moment is beginning to understand why they are called right certaines now personnes commencent à comprendre leur appel ce soir. I believe right now that the Holy Spirit is je here. Je crois que le Saint-Esprit est ici. And he wants to set some families free. Et il veut libérer certaines familles. As I prepared for this message. Et alors que je me préparais pour ce message. God told me. Dieu m'a dit. There are people in this church. Il y a des gens dans cette église. These 24 days. Pendant ces 24 jours. There's one thing you've been praying for. Il y a une chose pour laquelle vous priez toujours. It has brought you much pain. Et c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur. You've been praying for your family. Vous avez vous priez pour votre famille. You've seen the destruction in your family. Vous avez vu la destruction qui a pris qui a envahi votre famille. You've seen the problems in your family. Vous avez vu des problèmes dans votre famille. There's a mother in this church. Il y a une maman dans cette église. You've been crying for your children. Tu as tant pleuré pour tes enfants. There's a girl in this church. Il y a une fille dans you've cette église. You've been praying for your parents. Tu as commencé à prier pour there's a man in this church. Il y a un homme dans cette église. You've been crying for your marriage. Tu pleures pour ton mariage. And these 24 days. Et pendant ces 24 jours. You've been saying, God, show me. Tu es en train de crier, Seigneur, God, montre-moi. Bring a miracle in my family. Seigneur, amène un miracle. And I believe. Et je le crois. That God wants to show you a new prayer. Que Dieu veut te montrer quelque chose de nouveau. Amen. Yesterday we learned about prophetic prayer. Hier nous avons appris sur la prière prophétique. Prophetic worship. La prière et l'adoration prophétique. I was so blessed by that message. Et j'étais très béni par ce message. Prophetic worship is when you start to worship for the things that are not yet. Une adoration prophétique, c'est lorsque vous commencez à adorer pour des choses qui ne sont pas encore faites. Today I'm going to teach you a new form of prayer. Je vais vous apprendre une nouvelle manière de prier. It is a prayer where you stop saying, "God, help my family." C'est la prière où vous arrêtez de demander à Dieu d'aider votre famille. God, deliver my family. De demander à Dieu de délivrer votre famille. God, deliver my husband. De délivrer votre mari. And you start to pray. Et vous commencez à prier. God, show me. Et vous dites à Dieu, montrez-moi. God, show me. Montrez-moi. God, use me. Utilise-moi. This is what I have in my hands. C'est ça que j'ai, Seigneur. It is only 5 loaves. C'est tout ce que j'ai. It is only 2 fishes. Deux poissons seulement. But I believe with the power of mais the Holy Spirit. Mais je crois que par la puissance it du Saint-Esprit. To change my family. C'est assez pour changer ma famille. Show me how to use this montre-moi water. Montre-moi comment utiliser you can turn it into wine. Tu peux transformer cette eau en vin. And bless my whole family. Et changer ma famille. And so today we are going to not pray for our family. Alors ce soir nous n'allons pas prier pour nos familles. We're going to pray for us. Nous allons prier pour nous-mêmes. I believe that God wants us to pray for our minds. Parce que je crois que Dieu voudrait que nous puissions prier pour that nos intelligences. That we will be the ones who bring hope to our family. Pour que nous soyons ces gens qui vont amener l'espoir dans nos familles. That we are the ones who will change our families. Pour que nous soyons des gens qui vont changer nos familles. No family in this church parce qu'il n'y aura pas de famille dans cette that église will be under the curse of slavery qui sera anymore. Encore
enchaînés par le diable. As long as there's a son of God in that house. Alors il y aura des gens et des enfants de Dieu dans cette famille. Deliverance has come into that house today. La délivrance est venue dans vos familles ce soir. The kingdom of God is now here. Le royaume de Dieu est ici. Because you are there. Parce que vous êtes là. Come on, begin to pray for yourself. Commence right à prier pour toi-même. Begin to say, God, give me solutions for my family. Seigneur, donne-moi des solutions pour ma famille. God, give me solutions for my office. Donne-moi pour des solutions pour mon bureau. Oh, come on, God, show me who to Seigneur, be. Seigneur, montre-moi ce que je dois être. Oh, come on, intercede for yourself. J'aimerais voir, Seigneur. Raise your voice to the Lord right now. Prie pour toi, élève ta voix et prie pour toi-même. If you're still on your chair, get up to your feet. Si tu es encore assis, lève-toi et prie. Oh, this business your pastor cannot do for you. À ce moment, personne ne peut bien prier pour toi-même. Nobody can do this for you. Personne ne peut mieux faire ceci pour toi. Only you right now. Tu es la seule personne qui pourra bien le Begin faire. Begin to do business with your father. À toi de le faire avec ton père Dieu. Begin to say, Here I am, send me. Dis-lui, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Here I am, use me. Je suis là, utilise-moi. I am the solution for Je my suis family. La solution pour ma famille. I am the solution for my Je workplace. Suis la solution pour mon travail. Use me, Lord. Utilise-moi, Seigneur. Bless the Lord. Bless you, Jesus. Oh God, come now. Fill this place with your presence. Remplis cet endroit de ta présence, Saint-Esprit. Do what only you can do, Lord. Fais ce que toi seul peux faire, ô Seigneur. Fall down, Lord. Fall down, Lord. Viens, Seigneur. Holy Spirit, fall. Descends, Saint-Esprit. Fall in this place. Déverse-toi en cet endroit. Move among your people. Déverse-toi au milieu de ton peuple. Move among your people. Déverse-toi au milieu de ton peuple. Change this nation. Change cette nation. Change the families here. Change des familles en cet endroit. Demons are scattered right now. Viens amener quelque chose de nouveau. Bless the name of the Lord. Oh, Yabash. Bless the name of the Lord. Bénissons le Seigneur. Right now, en ce moment, Satan is falling down like lightning. Le diable est en train de tomber in the families in this church. Dans les familles de cette église. His lies are being revealed. Ses mensonges sont révélés. The light is coming into your family. La lumière vient dans ta famille. You're beginning to understand your role. Tu commences à comprendre ton rôle. You are the intercessor for that family. Tu es l'intercesseur de cette famille. You're the peacemaker for that family. Tu es celui qui amène la paix dans cette famille. Some of you, you're the last born in the family. Certains d'entre vous, vous êtes le cadet de vos familles. Nobody listens to you. Personne n'écoute votre voix. Because they think you're young. Parce qu'ils se disent vous êtes petit. I have news for you today. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. When you have the Holy Spirit in you, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, you are the one with authority in that family. Vous êtes celui qui a l'autorité dans cette famille. Satan does not flee because of age. Le diable ne fuit pas à cause de l'âge. Satan does not flee because of position. Le diable ne fuit pas à cause de la position. Satan will flee because of the Holy Spirit. Le diable fuira à cause de l'Esprit de Dieu en toi. It's time for you to stand for your family. Il est temps pour toi de t'élever pour ta famille. It's time for you to deliver your family. Il est temps pour toi de te délivrer ta famille. This country will be different. Ce pays sera transformé. Because of you. À cause de toi. Because of you. À cause de toi. Bless the Lord. Gloire au Seigneur. Bless the Lord. Gloire au Seigneur.
I believe some of you are about to see miracles you've never Je seen. Je crois que vous allez voir des miracles comme jamais auparavant. Simply because you're entering your position Juste of authority. Juste parce que vous avez pris votre position d'autorité. Some of you where you're employed. Certains d'entre vous à votre endroit de travail. You're the lowest employee. Vous êtes le plus bas de tous. You're the reception. Vous êtes à la réception. You're the guard at the gate. Vous êtes le garde qui fait entrer les autres à la porte. You're the junior person. Vous êtes le membre de personnel le plus bas. People don't listen to you. Personne n'écoute ce que tu dis. You're the one who's meant to listen to people. C'est à toi de considérer tout ce que les autres disent. I have news for you J'ai tonight. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. As long as the Holy Spirit is in you. Tout le temps, lorsque le Saint-Esprit est en vous. All authority in heaven and on earth have been given to Jesus. Dans les cieux, sur la terre, and Jesus has given them to you. Et Christ a donné ce pouvoir. It's time for you to understand your position C'est in that toi, office. Maintenant, il est temps pour toi de comprendre ta position. It's time dans for you bureau. To start going in early to the office. C'est à toi d'entrer dans ces bureaux le plus tôt. To start anointing those desks with et de oil. Commencer à oindre ces bureaux avec to declare that God's kingdom has come pour to that place. Déclarer le règne de Dieu à cet endroit-là. Because you are there. Parce que toi tu es là. As long as you are there. Lorsque toi tu es là. Your business will be blessed. Laisse-moi te dire que tout ce que tu feras sera béni. When you understand your position. Lorsque tu comprends ta position. You have a Joseph anointing. Alors tu as une onction spéciale. Even the prison was blessed because he was there. Même les prisons étaient béni parce que Joseph était là. Everywhere where you put your feet, partout où tu seras, will be blessed. Tu vas bénir when ces you understand your position parce in que Jesus. Tu comprends ta position en Christ. I think I'm going to stop there now. Je vais m'arrêter là maintenant. I want to leave something for tomorrow. Mais j'aimerais garder quelque chose pour demain. But I want to say this. Mais j'aimerais dire une chose. I believe. Je crois. That God is doing something today. Que Dieu est en train de faire quelque chose ce soir. That will change the this country called Congo. Qui va changer ce pays, cette nation, le Congo. That the hope of Congo. Et l'espoir de ce pays. Is not in the palace. Ce n'est pas au palais. Is not in the parliament. Ce n'est pas au parlement. It is right here. C'est ici. Where God's people are. Là où le peuple de Dieu We are the ones who will rule the nations. Nous sommes ceux-là qui vont régner ce pays. We are the ones who will change Africa. Nous sommes ces peuples qui vont changer ce pays. Until Jesus returns. Jusqu'au retour de Christ. God bless you. Que Dieu vous bénisse.